Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de ce Let's Play sur Star Wars Jedi Fallen Order. Nous sommes toujours à la recherche de la paix au cœur de la tempête sur Zepho. Continuons d'affronter nos ennemis et faire ces courses d'obstacles. Sans plus attendre, place au jeu. En avant, let's go. Il y a un coffre à gauche. Reviens là. Bzz, 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 bzz. Qu'est-ce que c'est, BD1? Cuivre. Lumos. Oh, purée de patate. Je crois qu'on a un problème. Easy. On lui a coupé la corne. Le filac, lorsqu'ils sont provoqués, les filacs ont du mal à changer de trajectoire et terminent souvent leur course dans les rochers. Les sabots des filacs sont adaptés au col de montagne, ce qui leur confère un équilibre à toute épreuve, même face au vent violent de Zepho. Stylé la créature. Oh, j'ai faim. Ah, Jedi, attaquez avec prudence. C'est bon, j'ai pris un genre en côté. Yeehaw! Waouh, ça doit être un des Zepho. Je crois qu'on est sur la bonne voie, BD. Ok, on va rigoler par là, je sens. Ah, c'était l'autre côté de la grotte. Qu'est-ce que c'est ? Mon ami, au cours des rotations depuis que j'ai quitté Bogano, j'en ai appris plus sur les Zepho que je ne l'aurais cru possible.
donc ça c'est l'autre côté de la grotte. Oula, ça fait un peu loin là quand même. Yeah. Pas mal, hein, c'est pas mal fait ce truc de glisse. Hein. Ok, il y a une corde. Wouhou! On a les deux points de compétence. C'est pas ici qu'on peut faire. Bien sûr. Go. C'est le Jedi. C'est le Jedi. Oh, pitié, me fais pas Steam, ok. Non, rien à faire. C'est pour plus tard. On va passer par là. Ah, c'est le morceau. Myriana, veille sur notre Sienna. Villageois mort, les restes d'un villageois mort en essayant de protéger sa famille de l'Empire. Un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Je sais. Il transporte les artefacts Zepho sur Coruscant. Ça veut dire que... Que l'Empereur s'intéresse aux Zepho ? Peut-être. Magnifique. Joa a été blessé, mais il a eu un Stormtrooper. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces bestioles à cornes ? Les Filak ? Ils sont dangereux au contact, mais ils ont une mauvaise vue. Donc, si je reste à l'écart, je suis tranquille ? Voilà, évite le contact. Évitez le contact, évitez le contact. Ouais, facile. Ok, donc on peut pas passer par là. Je répare l'interconnecteur de BD1. Ninja. Ah, pour dépenser notre point de compétence. Let's go. Y, ok. Ça devrait aller. Je te tiens.
Donc ils ont des boucliers, donc on peut pas renvoyer. Rapide. Ok, c'est nouveau. Intrus, rends-toi immédiatement. Youpiou. Mitrailleur lourde, protégé d'un bouclier en utilisant une arme lourde à longue portée, offrant un tir continu et capable d'infliger de nombreux dégâts. Il se déplace lentement, son premier tir met du temps à se déclencher et il doit récupérer après une attaque, vous laissant le temps de le frapper. Oh my god! New enemy! Ah bah non, ça c'est sûr. Nouvelle graine pour Terrarium tenir. Flousy Ryle. Bam, tout dans les bras. Elle était cachée, ça. Hey. Qu'est-ce que c'est? Nouvelle poignée de sabre obtenue. Nature élémentaire 2. Je sais pas si ça fait des compétences particulières ou pas. Coucou. Oh, j'étais pas prêt à ça. Qu'est-ce qu'ils disent sur eux du coup? On peut pas renvoyer la roquette? Le rocket trooper. Manipuler, renvoyer les projectiles à l'aide de la force. Hein. Le soldat recharge après avoir tiré, vous laissant assez de temps pour vous rapprocher et frapper. Purée de patates. Projet foreuse. Ok, donc le texte c'est exactement ce qu'il a dit. Le Jedi. Compris. J'ai touché le Jedi. Il faut juste que je me concentre. Vas-y, concentre-toi. Dans la mort. Nouvel interrupteur de sabre laser obtenu. Devoir et volonté. Ah! Bah voilà, on a dit qu'on allait s'amuser après.
Purée de patate. Oh lolololol. Ah ah. On va essayer de le faire plus proche, je suppose qu'on doit lui monter dessus. Bon. Voilà. Ouf, c'était chaud. Oula, oula, oula. Grosse info. Nouvelle peinture pour le mantis obtenu. Chasseur. Ah mais nous on l'a goldé nous, le mantis. Wouhou. Wouhou. Je vois pas où est le problème, ça existe dans la vraie vie. Quelque chose. Que savent-ils? Pas un mot sur Cordova. L'Empire ignore sûrement qu'il est venu ici. Dans ce cas, nous avons l'avantage. Pour l'instant. Bien sûr qu'on a l'avantage. Oh. En fait, j'avais ralenti en me trompant de touche. Astine? On peut pas passer. Pas pour l'instant. Ah ouais. Il y a une tempête droit devant. On dirait qu'elle a déréglé l'équipement de l'Empire. Je sens quelque chose qui m'appelle. Au-delà de la tempête. Suis cet appel. Allô. Force aiguisée tes instincts. D'accord. Je t'oblige. Je vais essayer. On va méditer. Qu'est-ce que ça nous a débloqué en plus, ce petit chemin du coup? Rien de particulier. On va faire une super parade alors. Jauge de garde augmented. Ok, ça fait un peu loin là. Hein. Le saut de la foi.
va bien, BD1 ? Bip, 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 bip. En voilà une autre. Elles sont peut-être reliées. Ouais, de toute façon, c'est sale bête, faut pas nous les laisser nous charger. Lui faire une attaque sautée. Oh! Moi je m'attendais pas à ça. Tu descends, poulette? Nouvelle graine pour Terrarium obtenue. Nymphéaps. Nymphéaps. Oh yeah. On rentre dans des grottes inconnues, on saute partout. Un gabarit bien particulier pour passer, quoi. J'avais jamais vu une telle tempête avant. Ouais, c'est incroyable. Mon ami, je pense qu'il s'agit là du site Zepho le plus ancien que j'ai. En dépit de mes réserves, je ne peux chasser le sanctuaire de Bogano de mon esprit. Ces visions ont façonné le destin de toute une civilisation. Je veux comprendre pourquoi. Est-ce qu'on peut sortir du truc ? Oui. Sacré ascenseur, hein. Nous qui avons l'habitude de faire des réflexions sur les ascenseurs déjà. Il est beau celui-là. Je suis dans le tombeau. C'est immense. Et les impériaux ? Aucun signe d'eux ici. Et pour Cordova ? Je sais pas ce que je suis censé trouver. Il est plutôt... excentrique. À qui le dis-tu ? Il ne nous aurait pas conduits jusqu'ici pour s'amuser. Garde l'esprit ouvert. Est-ce que t'as vu ça? Kaboomba! Évitez tout contact en vous déplaçant prudemment autour du noyau central. Le noyau explosif peut être utilisé comme moyen de défense contre d'autres ennemis. Rapide. C'est bizarre cette histoire, ça passe pas ? Ah bah oui, j'ai pas vu. Un chemin strié. Je
Oh, joli découpage en deux. On est en train de faire là. S'il y a du vent. S'il y a une boule. Murmure d'alien. Il n'y a pas que le vent qui souffle dans ces carillons. Il y a des voix. Des voix du passé. On peut l'arrêter de notre corps. Non. Si on l'arrête par là. Je crois que ces sphères sont liées aux socles qui sont par terre. Ton avis, BD ? Je crois que ces sphères sont liées aux socles qui sont par terre. Ton avis, BD ? Mais je suis complètement d'accord. Ah. Ok, je voulais la mettre là, mais c'est peut-être pas là qu'il fallait la mettre. Là, on va créer un tourbillon qui va la pousser au milieu. Celui-là. Là, il faut ouvrir celui-là. Pousse, pousse. Oula, 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 oula. Les effets s'en servaient pour la méditation. Ils formaient des utilisateurs de la force. Ok. Sympa la petite énigme.